Alors, voilà. Alors, il s'est passé plus d'une heure, mais plus ça marine, mieux c'est. Donc maintenant, on va faire la cuisson du foie gras. Vous allez voir que c'est très simple. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mes chiens, hein, vous inquiétez pas. Alors, notre foie gras a bien mariné. On va prendre les terrines de 500 ml d'Ultra Pro. Alors, elles sont vendues par deux. Voilà. Alors, c'est pareil, c'est de l'Ultra Pro, donc ça va au micro-ondes, au four, au congélateur et tout. D'accord? Donc, on va prendre le foie gras. Alors, s'il ne peut pas me tâcher, ça, c'est pas sûr. Donc, on va mettre le foie gras. S'il est détaché, c'est pas grave. Je vais même le couper. Faut tasser. Faut bien le tasser. Alors, une fois, alors le jus en plus, c'est pas la peine de le mettre. Hein. Alors, une fois qu'il est bien tassé, voilà, vous le tassez bien. Et là, vous avez, vous fermez le couvercle. Alors. Voilà. Vous fermez le couvercle. Et là, vous avez deux solutions. Pour la cuisson, voyez, un foie gras de 500 ml, il passe un foie gras de 500 grammes, il passe dans le 500 ml. Ce qui est normal, 500 ml, 500 grammes. Donc, là, vous avez deux solutions. 3 minutes 20 à 600 watts au micro-ondes. Même si ça vous paraît pas cuit, il sera cuit. Vous laissez bien reposer, pas de souci. Pour ceux qui sont anti-micro-ondes, vous mettez au four, thermostat 70 degrés, pendant une heure. Vous aurez le même résultat, d'accord? Donc moi, je vais le mettre au micro-ondes, je vous montre à la sortie du micro-ondes, et ce foie gras, je ne vais pas le manger maintenant, je vais le manger à Noël. Donc, dans l'Ultra Pro 500 ml, je vais le mettre au congélateur et je le ressortirai au moment de Noël. Voilà, donc tout ça pour vous dire que vous pouvez le préparer d'avance. Il n'y a aucun souci, ça se congèle très bien. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à samedi pour une autre vidéo. Et puis, surtout, n'oubliez pas de faire vos achats de Noël. Nous avons un système dans la concession Paris-Ouest où nous pouvons vous fournir, moyennant quelques monnaies, carrément vos paquets enveloppés. Voilà. Je vous fais, ou prêt à envelopper. Voilà, je vous fais des gros bisous. Tirage au sort ce soir, s'il y a deux acheteurs. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. S'il y a deux acheteurs, un tirage au sort. Et vous pouvez, vous avez la tombola de Noël, où vous avez des cuillères portions à gagner aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous.